Bonjour. On est de retour dans le jeu des enfers. J'espère que vous allez bien. Putain, c'est vrai qu'il y avait des bruits partout, j'avais oublié. Bon, toujours, on est sur Song of Horror, épisode 3, je vais mettre sur pause parce que j'ai vraiment pas confiance dans le jeu. C'est terrible. Il faut savoir hein, que si jamais. Bon là on était sur un rythme de 2 épisodes par jour. Jusqu'à potentiellement cet épisode-là, qui est censé. Enfin qui est le 14e, hein, qui est censé sortir à. Bah ce soir en fait techniquement, donc je sais pas si j'aurai le temps de le sortir. Enfin bref, il peut y avoir peut-être un peu de retard sur les épisodes du Let's Play. Désolé si jamais c'est le cas. Parce que voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Toujours un peu une appréhension à jouer à ce jeu. C'est étrange. Hein. Surtout quand voilà, y a tous ces bruits là. Rien d'utile dans l'imprimante, je crois qu'il n'y a même pas de papier. Donc là on était. Voilà, on avait commencé l'épisode 3. On est avec notre nouveau personnage, au secours. Je sais plus comment elle s'appelle. À part Daniel, je sais plus. Mais voilà. On est avec notre personnage, on va espérer qu'elle ne meure pas, qu'il ne lui arrive rien. Les bruits de craie, c'est normal? Va dire que c'est l'effet sonore parce qu'il y a. D'accord, merci. J'allais dire c'est normal que ça ne change pas. On n'avait pas une énigme. Ah, attends, le document. Parce qu'on avait eu un document qui faisait penser à une énigme. Voilà, Monsieur Glover. Non, ça on s'en fout. Merino. Et allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dune. De là, placez-vous en face des étagères où sont décrites mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dune. Ça ne veut rien dire, mais on passera là-dessus. Et regardez sur l'étagère du haut. Donc il faut qu'on trouve. Il était où Dune? Ah, ces bruits, mais j'en ai marre de ces bruits! On le voit en haut à gauche, hein, Zachary Dune. Et Merino? Merino? Merino, ah oui, voilà, on voit le chapeau de Merino, Joseph Michael Merino. Très bien. Et un peu un chapeau de chapelier. Mais je déteste ce bruit. Je déteste ce bruit de craie. Des canettes qui traînent et des papiers du professeur. Et des mégots de cigarettes, oui. Oh là là. Ces angles de caméra du démon. Zachary Dunn. Vous ici. J'ai même pas regardé la salle. Super. Super, grosse salle. Hein. Un distributeur. Omar dit que je bois trop de café. C'est facile pour lui. Il n'a pas besoin de rester debout jusqu'à 4 h du matin pour étudier. Un avril du mois d'août. Ah. Un chapeau en feutre fin. Ah, avec la taille. Il est de taille 6. Non mais il écrit autre chose dessus. Je peux pas le zoomer. Mais je pense que c'est lui hein, son chapeau à Zachary. L'étiquette dit 100% feutre. Ah oui, bah, ok. 100% feutré, feutre, taille. Ok. Ah. Et un haut de forme, un chapeau haut de forme en feutre noir. Qui lui fait une taille de 8. Oui non mais du coup. En fait on sait. On sait déjà lequel c'est. Pourquoi Boukoum? Pourquoi son cœur y bat? Calme-toi, calme-toi. Tête d'angoisse. Au secours. Oui, non, voilà, le chapeau du chapelier, c'est. C'est celui-là, donc c'est pas celui-là qu'on veut, donc c'est la taille 6. Alors attendez, qu'on récapitule l'énigme. Aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dune. Face des étagères où sont écrites mon nom. Et ensuite, il faut compter 6 vers la droite. Bon, ok. On trouvera. On y arrivera. J'entends rien. C'est terrible, hein. J'ai une appréhension en rentrant dans les pièces à chaque fois. Je sais pas ce qui. Je sais pas. Des bouteilles de whisky. Ça ne m'étonnerait pas que Merino en ait bu un peu avant de préparer ses examens.
Il y a des fichiers d'étudiants ici. Je ne sais pas ce que va en faire Merino. Ah, on est dans le bureau de Merino, du coup. D'accord. J'ai pas regardé, peut-être qu'il y avait l'étiquette, mais... La fiche, mais... Le buste est dans un sale état. Si seulement Merino passait son temps à ranger ses affaires plutôt que d'ennuyer les gens. Ouais, c'est un emmerdeur. C'est un emmerdeur, le Merino. Géographie, examen final, histoire de l'art, histoire médiévale, littérature, philosophie, histoire de religion, anglais, littérature 2. Super, magnifique, on est content. Mais qu'est-ce que c'est censé apprendre, ça? À part que la classe 1, visiblement, ils sont privilégiés. Ouais, la classe 2 aussi, hein, ils ont que la littérature. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, hein, je sais pas quoi en penser. C'est quoi cet ultrason de mort, là? Omar peut dire ce qu'il veut, mais je pense que garder des insectes accrochés sur des épingles, c'est un truc de psychopathe. Seulement, bah, Merino passait... Oui. Ok. Bah, c'est très bien, super. Grosse salle, grosse ambiance. J'adorais. C'est faux, je déteste ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va partir en couille, mais quand ça va partir en couille, je vais mûrir. Surtout que, en fait, moi, ce qui me fait très très peur... Attendez, petit instant où on s'amuse, petit instant où je fais hop. J'adore faire ça. Ouais, truc un peu... Truc qui me fait un peu peur, là, vis-à-vis du jeu. C'est que plus on va avancer dans le jeu, plus je vais avoir droit à des différentes mécaniques de QTE. Donc me cacher. Là voilà, là jusqu'à présent on avait la porte, on avait se cacher. Ensuite dans l'épisode 2 on a eu le silence, que j'ai détesté. Et sur la fin on a vu, je sais pas si c'est vraiment une nouvelle mécanique, mais la fuite. C'est cours, cache-toi et cours de la grosse bête. Mais est-ce que là on oublie le silence, c'est fini le silence, on n'aura plus le silence? J'aimerais bien, mais je pense pas. Je pense que du coup, on va rajouter une nouvelle mécanique encore au-dessus. Ça va être un enfer. Voilà, parce que je sais qu'il y a encore des mécaniques. Malheureusement, j'ai vu des conseils qui me disaient « Oui, machin, le requiem, machin, je sais plus quoi. » Donc, voilà. Il y a au moins un, voire deux mécaniques. Au moins une ou deux mécaniques qu'on n'a pas encore vues, peut-être plus. J'en sais rien. Mais voilà, et... ça va être de plus en moins, ça va être de pire en pire. C'est tout. Tout ce que j'ai à dire. We are not ready. Bon, professeur Doon. Oui. Oui, la craie, ouais. Je peux me faire tuer par une craie, merci. Je vendrai mon âme au diable juste pour avoir la moitié des compétences de Doon. Alors, c'est peut-être d'une, hein, mais écoutez. Oh, ce bruit d'ultrason. Ah, je... Au secours. Je vais me repasser sur la bonne scène, excusez-moi. Ah non. Je pourrais me cacher sous le bureau. Oh non. Je sais pas quoi faire. Je reste près de la table pour me cacher au cas où. Mais j'aime pas trop regarder cette télé, qu'est-ce que... En fait, d'un côté, j'ai pas envie de regarder la télé, mais en même temps... Oh, c'est creepy. Ça peut s'arrêter? On peut arrêter? Merci. En fait, j'étais partagé entre être devant la porte et caché sous la table. Sachant que comme en plus, je pouvais écouter à la porte de l'autre côté, j'étais pas serein. C'était sympa, ça, hein. J'ai bien aimé, hein, ce moment. Visiblement, il y a des gens qui sont bloqués de l'autre côté. Et bah écoutez, tant pis pour vous. Professeur Dunn conserve toutes sortes de paperasses ici, je pense pas que ça me servira. Oh, une fenêtre, l'extérieur, la vie. Ce n'est pas normal de voir le campus si mort à cette période de l'année. J'imagine que les travaux de rénovation ont reporté le début du semestre. Super. Et là, il y a un truc. Certaines lignes de l'enquête à suivre sont notées ici. Super. Tu veux pas avoir plus d'infos du coup. Doon est vraiment un professeur génial. Il me prête toujours des livres quand je vais à son bureau.
Ouais, du coup, il y a le bon prof et le mauvais prof. Le bon chasseur. C'était cool, hein. C'est cool cette salle. Hein. J'ai vraiment adoré la salle. Hein. Ouais, je peux plus écouter. Hein. J'ai adoré. Hein. Je peux rien faire avec ça. Ok. Ok. Putain, mais c'est... Non, pas ça. Ce bouton. Ça fait 10 minutes. Là, je réalise. Ça fait 10 minutes que... Ça fait 10 minutes que ça a commencé. On a fouillé deux pièces, quoi. Je suis vraiment... Vraiment, je suis désolé pour ce let's play. Hein. C'est incroyable, hein. Même quand je veux essayer d'avancer, je n'avance pas. Attends, mais la télé, je peux la regarder, la télé? Non, c'est pas la télé. Non, c'est un truc là, là. Ah oui, non, c'est la porte, ok. Le distributeur est plus populaire que... Oui, d'accord. Arrêtez. Je suis pas allé là, de ce côté. Hein. L'équipe de nettoyage ne laisse jamais de chariot dans le passage. Où est-ce qu'ils sont allés? Alors après, il y a... Il y a une autre porte de l'autre côté. Moi, je m'en rappelle plus l'autre porte de l'autre côté. Oh, je vais là. On est parti. On est parti pour aller là. Avec ce plan de caméra dégueulasse. Vraiment. Oh mon dieu. Oh, lui, il fait quoi? Il fait de l'histoire, non? Il faut que j'aille au truc neuf. Le truc neuf, c'est où? À étagère, ok. Étagère Y. Donc c'est au milieu. Ok. Attendez, pourquoi il y avait deux symboles. La lumière, au secours, la lumière, au secours. Sa Majesté le Sultan Omar, premier du département d'histoire, pense que ces machines entachent la pureté académique de l'archive. Ça me fait rire quand il s'énerve. Alors attendez, il faut qu'on aille au milieu, là. Comment on va au milieu? Oh, je sens qu'il faut que je fasse tout le tour, ça doit être une connerie comme ça. On va essayer. Je suis pas serein, je ne suis pas serein, je ne suis pas serein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah ah, histoire. Le fou au chapeau. Caricature amusante de l'un des professeurs. Du coup, c'est le professeur Merino. Ouais. Bah, c'est le chapeau lié fou, quoi. Oh, mais cette ombre! Regardez-moi cette ombre! Ce le bruit de l'ombre! Je déteste ce jeu. Non, il est très bien, le jeu. Hein. En vrai, c'est un bon choix, hein, au niveau de... Le jeu d'Halloween. Mais il aurait juste fallu que je commence le display il y a 3 mois. Quoi. Si je fais la trace de cigarette, je vais peut-être découvrir tout ce que Cher a écrit. Dommage que ces notes ne m'apprennent rien. Superbe. Ah non, j'aurais pu... D'accord. En fait, j'ai fait tout le tour pour rien. C'est ça l'histoire? C'est ça la blague? MDR. C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces bruits? Arrêtez! Projecteur à diapositive. Presque tous les professeurs en utilisent. Sauf que je n'ai pas de diapositive. Donc je suis niqué. Professeur Usher fume dans son bureau, en général. Quand je viens lui parler de ma thèse... quand je viens lui parler de ma thèse. Peut-être qu'il enquêtait sur quelque chose avec le projecteur. Oui, il faut utiliser le projecteur, mais... Sachant que le projecteur, il est braqué par là. Donc il faudra après descendre comme ça pour voir un truc. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. Oh, on va s'enjailler. Oh là là. Putain, non. Début de l'épisode 3. Hein. Début de l'épisode 3, c'est déjà un enfer. Je me rappelle avoir vu ce bon à rien de Merino. Avec un calepin similaire. C'est peut-être le sien, mais ce n'est pas moi qui vais lui ramener à son bureau. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi toutes ces boîtes sur le sol, qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain, mais cette lumière qui clignote là, ça me trigger. Trigger. Je crois que c'est Merino qui a fait ses notes, elles ne m'aident pas. Décidément. Donc les étagères. Voir comment je fais pour voir
Ah oui, voilà. Étagère X. Non, moi c'est l'étagère Y. Donc ça doit être celle-là. Étagère Y. Ah, ok. Il faut le mettre en face de celle où il y a son nom. Comment je fais pour savoir? Non mais... Non mais qu'est-ce que tu fais là? Elle est en train de fouiller. Il n'y a rien ici, sérieux. Mais regarde ces conneries, monde folle. Non mais, oh non. Ah oui, d'accord. Comment ça? Pourquoi je pourrais appuyer? Aucun intérêt. Je comprends pas. Attendez. En fait, j'ai mal regardé, c'est ça. J'ai un... Oh là là, j'aime pas ça. Pas ces angles de caméra. C'est terrible, hein. Là là là, je ne fais que marcher. Bon. Mettre pâle. Ah non! Hein? Mais au secours! C'est un professeur d'histoire, on est d'accord? Attendez, en fait c'était à ça que ça servait le truc dans dans sa pièce. Non mais attendez, c'est moi qui sais pas compter en fait, parce que oui, parce que S, donc ça commence à l'étagère X. En fait. Secours. En fait, ouais, mais sauf que j'ai pas... Il y a un truc que je voulais voir encore. Non, j'ai pas plus d'infos. Super. C'est juste... Voilà, je sais que c'est étagère X, c'est la fin. Je vais me mettre devant son truc, je me décale de 6, que j'aille en haut. Sur la droite. Marrant lui. Trop marrant ton énigme. Hein. Oh, j'aime pas ces angles de caméra. Bon. Donc, on disait. Sur celle du haut, ensuite. Faut que je me mette là, en face de celle où il y a écrit Merino. Mais comment je fais pour savoir ça, moi? Marrant, parce que le mec. On va relire le document, hein. Allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dunn. Ah non, mais c'est le professeur... Non, mais dans tous les cas, le professeur Dunn, il fait de l'histoire. Il me semble. Je suis quasi sûr. On va dire ça. Hein? Placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Bon, on va dire qu'on prend la première étagère. On prend pas l'étagère où il est censé avoir écrit le MER. Parce qu'on peut pas deviner ça. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dunn et regardez sur l'étagère du haut. Donc ça commence. Ah non, mais ça commence là. Donc 1, 2, 3, 4. Pourquoi le Toulon qu'il a fait une lumière là, je ne sais pas. 5 et 6. Et sur l'étagère du haut. Superbe animation en tout cas. De fouille. Pardon? Mais tiens, c'est... Après, il y avait le W, mais... que c'est... Parce qu'après, si c'est pas celle-là, c'est quoi? C'est celle-là. Vous pensez qu'on a un nombre de try limité, qu'on peut mourir au bout d'un nombre de try? Et que je vais mourir, du coup. Je commence à être sous pression, maintenant. Encore plus. Non mais c'est ouf! C'est ouf de pas être capable de faire une énigme. Attendez. Non mais attendez, 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 ça va pas. Là, ça va pas. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que je comprends pas là-dedans? Allez aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dunn. Donc
donc l'histoire. Jusqu'après, enfin, je... Hein, on va refaire un troisième aller-retour pour aller vérifier ça, mais c'est l'histoire. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dune. Et regardez sur l'étagère du haut. Genre, la taille, c'était 6, quoi. Qu'est-ce que j'ai mal foutu dans mon truc? Est-ce que j'ai oublié des étagères ici? Ben non. Étagère X. Donc 1. Ou alors... Bon, admettons 1, 2, 3, 4... Ouais, non, mais ça marche pas non plus. Après, il manque la double. Ouais, non, mais... Et l'étagère du haut. Après, je comprends pas pourquoi il me remet ce symbole, alors que je suis censé avoir fouillé et que j'ai vu qu'il y avait rien, mais c'est pas le même symbole, du coup ça me trigger. Bah oui. Bah oui, y a rien, je sais qu'il y a rien. Mais du coup, ce serait... Mais non, ça peut pas être... Mais au secours, ça me trigger. Parce que sinon, admettons son nom il est là. Ça fait 1, 2, 3. Et ensuite on continue. On fait comment? Ensuite on fait comment pour compter sur la droite là? Genre en fait, comment ça marche là? Parce que... Genre... Enfin, ça n'a rien à voir, là. Je veux dire, ça n'a plus rien à... Ouais, d'accord. Plus rien à voir, ici. Donc, 3... Non, 4. 5... Ah, oh, je suis déjà perdu, ça y est, oh là là. Bon, je vais tenter celle-là, mais... Au secours. Là, je suis en train de choc, en fait. Là, je suis en train de choc sur l'énigme, c'est terrible. Mais cette ambiance, ça me... Bah oui, non, c'est pas là. Je sais, je me doute que c'est pas là en vrai, mais... En vrai, je me doute que je sais pas où c'est, quoi. Ouais. Parce qu'après, on voit pas l'étagère Z. Il y a ça aussi, hein. Histoire et géographie, mais je veux dire, attendez. Science informatique. Non. Non, mais il fait de l'histoire, c'est sûr. Si tu te mets devant l'étagère où il y a son nom... Attendez, hein, mais c'est... Je veux dire... Allez aux étagères, là, vas-y, hein. Placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Donc les étagères X. Ou alors... Ce qui veut dire par là, c'est X, Y, Z. Enfin, quand il parle d'étagère, peut-être que l'étagère, c'est carrément tout le truc. Secours, mais c'est en tank de caméra, quoi. Donc, ce serait Y, Z, A, B, C, D, E, F. Ça y est, D. Je sais pas pourquoi je comptais jusqu'à F. Donc philosophie D. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, on est d'accord? D'accord que là je suis juste en train de choc complètement. Donc j'ai passé les 10 premières minutes pour visiter deux salles, et là je suis en train de passer 15 minutes juste sur l'énigme. Le pire let's play de l'histoire. Non mais, surtout que... Ah attendez, c'est un troll. Donc si ça se trouve, il a mis sur l'étagère du bas. Donc en fait, si ça se trouve, c'est juste là, mais il a mis sur l'étagère du bas parce que en fait, c'est un bâtard.
Je sais pas. Hein. Ouais. Super. Super, ouais. Ouais, super, ouais. Mais regardez-moi ça, mais j'en peux plus. Étagère W. Ah, on voit les étagères, là. Étagère W, elle est là, quoi. Étagère X. Donc elle est là, son étagère. Tac. Comptez autant sur la droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur celle du haut. Je vais sur celle du bas. Donné, on va mettre la main dans un truc, ça va nous manger. Et si l'étagère du haut, c'est celle du milieu? Non mais... au secours, mais attendez, je sais pas compter. Comment ça se passe, là? Après, regarde, c'est quand même très perturbant, la lumière qui s'allume et s'éteint. Parce que, en fait, le truc, c'est que là, on parle d'étagère, donc une étagère, ce serait tout ça. L'ombre, l'ombre. Donc, Y, Z, A, B, C, D. Bon, je vais tester, hein. En vrai, je vais tester la D, parce que là, j'en suis là. Hein. J'en suis là dans ma vie. Hein. Oh, ces lumières, je déteste ça. Ouais, si je dois me cacher, c'est à l'autre bout du monde. Hein. C'est cool. Non, arrête. Mais pourquoi tu fais un demi-tour comme ça? Alors. Étagère B. Étagère C. Ah bah oui, puisque là, si les étagères, c'est que 1, peut-être. Putain. Comment ça? Mais comment ça? Mais comment ça? De X à Y, ça fait 1. De Y à Z, ça fait 2. De Z à A, ça fait 3. A à B. B à C. C à D. Attendez. Hein. Mais au secours. Au secours. Non mais je veux dire, c'est on a jamais eu de soucis sur les énigmes jusqu'à présent dans ce jeu, à part les clés. Bon, les clés, c'était... Mais les clés, à la limite, ça... Bon, voilà, les clés... Voilà, les clés, à la limite. Mais, enfin, je veux dire, là, ça a l'air quand même relativement simple. On a une taille de chapeau qui est de 6. Ouais, la taille du chapeau de Dune. Pas la sienne, donc la sienne, c'est 8B. Parce que lui, il avait un gros chapeau. Non, non. On peut décaler à 8 et regarder, mais à mon avis, ça changera rien. De là, placez-vous en face. Ou alors, non. Ah, attendez. Non, parce que sur la X qui a écrit son nom. Mais... On va prendre la même logique. On va tenter un autre truc. Je vous avoue que je commence à être à court d'options. Donc si c'est pas ça, je sais pas après. mais bon. Donc 1, 2, 3. Parce que je pars en gros... Pardon pour le micro. Mais je pars de là. Je pars de ce point-là, là. Ici, parce que là il y en a un, voilà, là il y a une étagère là. Donc 1, 2, 3, on va dire que c'est là où il y a son nom, quoi. Ah.
truc c'est qu'après là sur la droite, il est gentil mais sur la droite. Moi sur la droite du coup c'est là quoi. Genre la droite, je continue par ma droite quoi. Donc 3, 4, 5, 6. Non mais attendez, non, me dites pas que c'est une... Non mais, non, 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 non. Hein? Ah, je l'ai déjà faite cette étagère? Je me suis déjà démerdé pour la faire? Oh merde. Oh merde. Ah, j'ai déjà tenté comme ça. Non mais attendez. Comment je m'y suis? Ah oui, parce qu'il n'y a pas la Z. Enfin, j'avais pas accès à la Z, moi. Donc c'est peut-être là. Allez, s'il te plaît. Secours. Je suis pas vaincu par l'ennemi quand même, si. Non mais attendez, c'est pas possible. Mais au secours. On a... Alors, attendez, peut-être que sur cette note... Super. Mais en fait, le truc, c'est que cette note... En fait, si ça se trouve, Doom, il est pas du tout professeur d'histoire. Je me suis complètement gouré depuis tout à l'heure. C'est pour ça que ça marche pas. Peut-être ça en fait. C'est peut-être ça. Donc vous savez quoi? Faire un truc. Faire un truc. Faire un truc. Oh, j'ai pas envie. Mais j'étais convaincu qu'il était prof. Non, il disait pas qu'il était prof. Calme-toi. Il disait pas qu'il était prof d'histoire à un moment donné? J'ai attendu un petit peu avant de... avant d'appuyer. La porte? La porte? Ouais. Oh putain. Non. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Tout est relation, réaction totalement normale, hein, évidemment. Et proportionnée. Hein. Moi, j'ai donné ma vie pour fermer une porte, elle est... Ouais, restez dehors. Ouais, t'as des mains, t'as des ténèbres qui sortent d'une porte, et t'es en mode, oui, tout va bien. Ouais, la malédiction de Daniel. C'est vraiment des broutilles. Super. Mais ça, c'est le chapeau du... Je suis désolé, hein. Voilà, le chapeau de... Là, c'est le chapeau de Mérinos, hein. Avec un haut, un nœud papillon, le chapeau... Ouais, non, mais... Ouais. Non, mais y a pas de mind game. Là-dessus, y a pas de mind game. Non, mais y a zéro mind game. Sur le 6, je suis sûr, de mon info. Maintenant... Ça aurait été bien qu'il écrit juste la matière qu'il enseigne, quoi. On retourne ici. Putain, la bonne ambiance. Non, mais la moitié des compétences en quoi? Qui des compétences de quoi qu'il a, lui? Il est prof de quoi, bordel? Faisait une enquête, mais c'est cool de faire une enquête, mais... Professeur génial, ouais, des livres, mais... Voilà. À 12h30, il avait son examen le 16, mercredi 16. Mais voilà, c'était ça l'info qu'il me fallait. 12h30, mercredi 16. J'ai un endroit pour me cacher juste là. Je le vis bien. 12h30, mercredi 16. 12h30, mercredi 16. Excusez-moi, hein, je répète ça. Juste histoire de... Hein, mais parce que la porte, elle m'a un peu stressé. On va y arriver. On va enfin y arriver.
Mercredi 16, mercredi 16, mercredi 16, mercredi 16. Donc le 16, 12h30, anglais. C'est un prof d'anglais. C'est un prof d'anglais, c'est pas un prof d'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était un prof d'histoire? Parce que c'est l'autre qui prend d'histoire en fait, à tous les coups. Je sais pas pourquoi. En fait, si, je pense que dans ma tête, ils étaient profs du même truc. C'était pour ça qu'ils s'envoyaient des pics. Je pense que c'est ça que j'ai fait inconsciemment dans ma tête. Mais bon. Ok, je peux pas écouter, je peux pas mourir, les télés peuvent pas être derrière. Merci. Allez, une prof d'anglais du coup on a dit. Hein. Non, la lumière, calme-toi la lumière. Dung dung. Allez, on va faire cette énigme et on arrête. On aura rien fait. Ouais, je pense que je sais comment je vais l'appeler hein, cet épisode. Au secours. Anglais. Ah bah oui, en plus il y a écrit MER sur l'étagère I. Attendez, deux secondes. Oui, je veux l'appeler étagère l'épisode, voilà, ça je voulais dire. Et donc étagère I. Étagère I, étagère I, étagère I, oh là là, c'est loin. Et du coup, si on réfléchit, J, K, L, M, N, O. Faut que j'aille la O. Donc la O, elle est là-bas. Ouais, oh, c'est bon. C'était quoi ce bruit? Pourquoi il y a eu un bruit comme ça? J'ai pas aimé le bruit. Hein. Allez, trouve quelque chose, s'il te plaît, je t'en supplie, trouve quelque chose. Mais non, mais je suis devant la queue là. Quel enfer. MNOP, Q. Oui, bah oui, non, mais c'est là, là-haut. C'est là, là-haut. Hein? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Si je me fais tuer parce que j'ai interagi avec trop de trucs, je vais tellement avoir la haine. Non, mais oui, je sais, non, mais. Merci. Étagère haut. Étagère haut. Étagère du haut. Voilà, Merino. J'ai travaillé sur votre petite énigme amusante. La prochaine fois, laissez Maxwell tranquille. Putain, tout ça pour ça. Garde avec une barre magnétique au dos. On est content. Non, on n'est pas content. Absolument pas, on n'est pas content. Encore moins quand les lumières s'allument comme ça sans aucune raison. Oh, j'ai peur. Y'a rien. Hein. Y'a rien qui va me surprendre. Hein. Sur le plan large, là. C'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Gérant de l'immeuble. Du coup, on peut aller de deux côtés, en fait. Mais attendez. Nous, ce qu'on veut, c'est aller aux archives. On va aller au truc... On veut aller au truc à gauche, nous. Donc, il faudrait qu'on... Dans l'optique de fouille, ce serait à droite qu'il faudrait aller. Ça marche ou pas? Ouais. C'est le vide. J'entends le vide. Le néant. Rien. Une petite pièce. Eh ben c'est parfait. Non. Attendez. Ah ouais, ah super, ouais, j'ai cru qu'il y avait qu'une petite pièce et que c'était fini. Quel innocent. Ouais, quel innocent. Ok, bah très bien, écoutez, on va, je pense, s'arrêter là pour cet épisode. Oui, oui, ça n'a rien passé. Je vous avoue que mon cerveau, il est en train de fondre, parce que cette énigme, elle m'a détruit. Ça parce que j'ai pensé qu'il était prof d'histoire, parce que j'ai pas lancé le jeu depuis 4 jours et que je me suis dit oh, il est prof d'histoire Dune, ouais oui prof d'histoire. Voilà. Du coup l'énigme aura été passionnante. Un grand moment de gaming et d'incompréhension. Mais on y sera arrivé. On aura eu la porte qui nous aura embêté. Et voilà. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite.
on va essayer d'avancer pour de vrai. Chaque fois je dis ça, hein, je sais, mais. Alors vas-y, on va fouiller la pièce, ouais. En vrai, on va fouiller la pièce. Même dans le bureau d'administration des archives, il y a du contenu non classé éparpillé de partout. Mais on fouille la pièce et ensuite on s'arrête. Hein. Parce que vous voyez cette caméra là ? Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Non mais tout me plaît. Rien me plaît en fait. Si là, rien. Un enregistrement de Maxwell, le concierge du département d'histoire. Nice. Professor Usher once mentioned that the same thing had happened to him, so I thought it was just acting up again. I went to turn it off, and I saw there was a picture of the old archive door projected on the screen. Then the door. Hein? Non. Oh, c'était effrayant. J'imagine qu'il se passe un truc à l'écran. Mais par contre... comment je fais Enfin, j'aurais bien aimé écouter tout, mais... Plusieurs rappels comme terminer les fichiers 20 à 42. C'était pas très intéressant. Cette poussière est vraiment bizarre. On dirait pas que c'est à cause d'un manque de nettoyage. Bon, attendez. Voilà, on va faire plaisir au jeu. Hein ? On va faire plaisir aux gens, on va se mettre là, comme ça si jamais il y a un truc, eh ben on pourra le voir. On va écouter la cassette pour de vrai. Voilà, Miss Claire elle aime pas voir la fumée, voilà, mais les étudiants ils font ça, mais bon, bon voilà, bah, je suis quand même sorti, bien, c'est bien. Oui, ça c'est pas flippant du tout. Mais voilà, c'est tout à fait normal, évidemment, hein. Vous voyez ça dans la vie de tous les jours, ils disent c'est normal, le projecteur il a son intelligence artificielle. Bon. Ouais, mais t'inquiète, je comprends, hein. Ça, je te comprends que t'aies peur, hein. T'inquiète, hein. C'est un état dans lequel je suis souvent quand je joue à ce jeu, hein. Donc je comprends totalement. T'inquiète, hein. Toi, c'est juste ton monde. Ok, j'entends rien derrière cette porte, mais vous savez quoi ? Non, là, c'est bon. On a écouté un dialogue, il s'est passé un truc, non. Alors, on ouvre la porte. J'aurais dû écouter plus, en vrai. Ok. Ah ! C'est mort. Oh, c'est mort. Je suis descendu en bas. Je ne peux pas descendre en bas. Je me suis vu et tout. C'était trop flippant. Et qu'est-ce qu'on fait? On va en bas. Ah bah super. Super. Super, super jeu. Hein. J'adore. J'adore ce jeu. J'adore. Ouais, j'adore. Ah non, mais regardez-moi ça. Non, mais regardez. Non, mais c'est pas possible. Mais non, mais toujours plus. Toujours plus profondément dans les enfers. En plus, elle veut pas. Elle a pas envie de descendre les marches. Vous voyez, même elle a pas envie. Pas que moi. Hein. Je peux me cacher là-dedans. Je peux me cacher là-dedans. 100%, je pourrais me cacher là-dedans. Casier vide. Je pense que je pourrais rentrer à l'intérieur si j'ai besoin d'un endroit pour me cacher. Nice, super. Travaux de rénovation de cet été où on laissait tout laisser en bordel. Ah super, ah super, ah j'adore, ah super. Non là par contre on passera vraiment pas. C'est calme, hein. C'est calme, hein. Mais ce qui se cache derrière cette porte, vous le découvrirez la prochaine fois. Donc demain, normalement. Voilà, je sais pas comment ça va se passer au niveau du rythme. Sachant que, alors, si vous avez cet épisode là, si cet épisode est bien sorti dimanche, demain, si vous regardez l'épisode le jour de sa sortie,
sort le premier épisode du Let's Play sur Amnesia. Normalement. Enfin, non, il sortira le premier épisode. Et techniquement, je pense que j'essaierai de faire un épisode par jour. Mais pareil, faut que je tourne le Let's Play, parce que... Voilà. Donc, c'est possible qu'on arrive sur un épisode par jour sur Song of Horror, voire même des fois peut-être des jours où il n'y aura pas d'épisode. J'essaierai de faire en sorte que non, mais je peux pas le garantir. Je pense que j'essaierai de privilégier Amnesia, en vrai. Voilà, parce que bon, c'est pas exactement le même type de format. Et honnêtement, pour l'instant, en tout cas, hein, j'ai tourné que deux premiers épisodes, mais pour l'instant, je me sens beaucoup plus serein sur Amnesia, je dois vous avouer. Donc c'est un peu moins un let's play horrifique pour l'instant, mais au moins c'est un let's play qui peut peut-être se finir avant Halloween. D'ailleurs, en parlant de ça, hein, il faut que je monte la vidéo interdite, mais bref. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, malgré tout. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. On explorera vraiment. On essaiera, comme d'hab, quoi. Voilà. On va essayer de passer les portes, les unes après les autres, jusqu'à la fin du jeu, quoi. En gros, en fait, voilà, le... Finalement, le but de ce let's play, c'est d'arriver à passer chacune des portes de ce jeu. Voilà, c'est une vidéo, une porte. Je schématise un peu, j'exagère un tout petit peu. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye bye.